bienvenue dans Coulisses des Étoiles. Je suis là, votre humble serviteur Doxa Makwela. Vous nous suivez à partir de Kinshasa et partout dans le monde. Nous vous saluons par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme vous le savez, actuellement à Kinshasa, plus jamais un événement sans nous. Vous pouvez bien constater que nous sommes ici, là où se tient un grand événement. Vous pouvez voir derrière moi, nous sommes au Showbiz. Ici se tient un événement dénommé Jelouere avec la sœur Nana Lukezo, un artiste qui nous a émerveillé deux années et des années. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les lives de ces grands événements. Ne zappez plus, suivez-nous dans ces grands événements Jelouere avec Coulisses des Étoiles, nulle part ailleurs, en exclusivité avec Doxa Makwela. Bonjour peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la chanteuse Nana Lukezo et aujourd'hui je viens vous parler un tout petit peu de moi, de comment est-ce que j'ai commencé jusqu'à présent. J'ai commencé la musique assez jeune, dans la chorale, et tout doucement j'ai commencé à tracer mon chemin, et en traçant mon chemin j'ai eu aussi la grâce et la faveur de pouvoir côtoyer des grands de cette musique chrétienne congolaise, notamment Charles Mbaya, Mekano, Nobumbi et Joël Bumba, qui nous ont fait vibrer à une certaine époque. Et voilà, après cela, j'ai continué aussi mon petit bout de chemin. J'ai sorti mon premier album, Jésus, ma référence, en 1999, à Kinshasa ici. Et puis après cela, j'ai continué ma carrière en Europe, où j'ai eu aussi à faire beaucoup d'œuvres aussi. J'ai 7 albums sur le marché. Le premier album, c'est Jésus ma référence. Le deuxième, Jésus ma haute retraite. Et qui s'en suivra du troisième, mille fois. Le quatrième, le chant de mon cœur. Puis viendra un cinquième album, remix. Après remix, il y a eu Zambéa Pika moi. Après Zambéa Pika moi, il y a eu enfin Laisse-moi te raconter, qui est le tout dernier album que j'ai réalisé il n'y a pas très très longtemps. Je pense que ce qui est un peu de ma carrière et tout, c'est à peu près ce qu'il y a à dire. Mis à part ça, je suis mariée, je suis mère de 5 enfants. Et voilà, je pense que tout a été dit de ce côté-là. En tout cas, les sentiments sont assez partagés. Le stress, la joie, l'impatience. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, bon, que ça passe et puis qu'on passe à autre chose. Parce qu'on est aussi assez épuisé, l'organisation, c'est assez lourd aussi, on court dans tous les coins. Et vraiment, pour que cela soit une réussite. Et voilà, moi j'ai hâte que ça passe vraiment plus vite. J'en peux plus, il faut que ça passe. Pour que enfin nous puissions respirer, parce que nous sommes tous vraiment là dans le stress quoi, mais nous savons que la main de Dieu sera là afin que tout le peuple de Dieu soit béni. Voilà un peu les sentiments qui m'animent en ce moment. Voilà, nous sommes là à l'intérieur des Showbiz. Nous voulons vous faire découvrir le vestiaire. Comment est-ce que ces grands événements se préparent? Nulle part ailleurs, en exclusivité, dans Coulisses des Étoiles. Suivez-nous.
Maintenant, il est sur une chaise roulante. Bon, je la connais depuis qu'il était jeune fille, petite fille. Je ne me connaissais pas. Je l'ai vu entrer en chaise roulante. J'ai fait couler mes larmes. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je n'ai pas pu tenir jusqu'à la fin. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer que c'était comme ça. Je l'ai rencontré à la maison et me raconta l'histoire. Je dis, mais Dieu est merveilleux. J'ai eu une joie, pourquoi? Parce que j'avais prié pour elle. Et quand on disait qu'on était en train de la mener à l'hôpital, je me dis, c'est en ce moment-là que nous on a prié et que Dieu a fait quelque chose. La voir vivante aujourd'hui et parler du Seigneur, ça raffermit notre foi. Amen. Ça fait encore que nous puissions continuer à servir ce grand Dieu. Ce soir, j'aimerais te demander d'être toujours dans l'ambiance de la louange. Amen. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver après 2 heures. Moi, j'aurais jeu. Si quelqu'un arrive à connaître l'auteur de cette chanson, je dois faire un diplôme dans la voix du pasteur Franck. Tout ce que je sais. Juste ça. La joie de mon cœur a été chantée par qui? Est-ce que quelqu'un sait? Personne. Ok. Non. Et si un chien qui va se faire un sac à la non, ça ne se fait pas. Nous allons entendre la joie de mon cœur avec elle-même, la sœur. Nana. Mon cœur, que la vie, mes rêves chers et bons, des moments dans le monde, car ta beauté, mon cœur, que la vie.
tu es prêt? Tu es prêt? Alors je te passe. Ce chant de Papa Franck a été... Vous savez, un jour à l'hôpital, on était là et mon époux a mis cette chanson qui était là en train de jouer. On se regardait dans les yeux, on a dit, ça c'est la chanson de notre épreuve. C'est notre chanson de l'épreuve. Donc ça ne pouvait pas manquer. Ça finira par marcher. Il y a un temps pour tout. La sombre nuit va passer et nous irons jusqu'au bout. Car le bonheur est à nous. Encouragez et passez à Maurice.
et l'encourager encore autant qu'il vient, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah écoute, on va improviser quelque chose. Sûrement, on va faire plaisir à mon époux. Non, vous prenez partie de votre brebis. Parce que sinon je chante, ça ne sera pas correct. Encouragez encore, s'il vous plaît. Tu vas nous suivre sur fini pour aujourd'hui. Vous étiez nombreux pour suivre ces numéros du magazine des coulisses des étoiles. Il y a eu beaucoup de surprises et vous avez à découvrir assez de choses. Moi, je vous dis déjà au revoir. Suivez-nous au prochain numéro sur la même chaîne, mais aussi sur notre chaîne YouTube affichée au bas de l'écran. Par ici, j'ai dit merci à Jonathan Mampouya Ndunga et j'ai dit aussi merci à Tichik, notre très cher frère qui nous a accompagnés. Pour ce soir, nous vous disons merci. Coulisses des étoiles en exclusivité. Concert, je louerai. Bye.